Madame Crambo Ntobeni Marie-France, épouse à Tien. Je suis responsable de l'entreprise La Maison de l'Anacade. Alors, La Maison de l'Anacade, c'est une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée dans la transformation des noix et pommes de cajou en produits dérivés. Nous existons depuis 2020. Voilà, donc cette année, ça fait pratiquement 3 ans que nous exerçons dans le domaine de la transformation du cajou. Particularité, c'est d'abord la diversité de nos produits, parce qu'on fait beaucoup vraiment de produits dérivés. Et on consomme les amandes, on consomme également la pomme, parce que généralement les autres entreprises transforment seulement l'amande, parce que la pomme est difficile aussi à traiter. Donc pour pouvoir transformer la pomme, on me faut une certaine connaissance aussi. Vraiment, le prix Pierre Cassel a nous aidé. Voilà. Comme j'ai dit, on a commencé en 2019, on a commencé à transformer les amandes. Donc, en évoluant, on a vu que les pommes étaient jetées, en fait. Donc, nous, bon, on s'est tourné vers la transformation encore de la pomme de cajou à travers les différents boissons que nous avons. Donc, aujourd'hui, avec ce prix-là, on a un véritable challenge. Parce que la pomme ne se conserve pas plus de 2 jours. Voilà, la pomme ne se conserve pas plus de 2 jours. Ça veut dire que c'est difficile. Donc, du coup, il faut se rapprocher des paysans. Donc, nous, notre défi avec ce prix Pierre Cassel, c'est de nous rapprocher des paysans dans la zone de Bondoukou, dans la zone de Bouna, de Bouaké, de Yamsoukro, pour installer des mini unités de transformation de la pomme de cajou. Donc vraiment, si on a ce prix Pierre Cassel, c'est la première des choses qu'on va faire là. Installer des mini unités de transformation de pommes de cajou dans 5 zones du Nord.